Natasha, le jeune Australien, face à la révélation française. Damien Pauvron, il est vraiment très occasion. Et le 35, Santos Gonzalez. Côté ligne d'arrivée, l'équipe nationale d'Espagne. Voilà. Ligne opposée, l'équipe du Danemark, avec Jimmy Madsen, dans sa 25. Le 24, le meilleur temps absolu à Bercy a été réalisé. Et pourquoi pas établir sa nouveau record, puisque ce record de 1997 a bel et bien été approché lors de la première soirée. Voilà, les ports danois sont en train donc de se mettre en place maintenant. Celui qui chronomètre au fond des épreuves, Festina. Saluez la performance de l'équipe du Danemark. 4 minutes 15 secondes, 861 millièmes de l'équipe d'Espagne. 4 minutes 17 secondes. Thank you.
C'est le spécialiste qui fait ça. Et cette finale, un peu nostalgique, hein, c'est trop. Ouais, mais regardez ce que vous avez regardé, ça n'existait pas il y a 10 ans. C'est vachement spectaculaire. Hein, c'est très bien. Faut pas tout regretter. Continuez comme ça. Un seul cas, ça va. Vous vous souvenez de madame Opel? Oui, madame Opel. Madame Opel, comme ça, je vous appelle. Vous m'en voulez pas, hein. Pourquoi? Bah non. Appelez-le pour lui dire bonjour, bah tu vas pas me reconnaître. Vous avez vu quand même. Vous avez vu tout à l'heure. Je peux pas me souvenir précisément de votre nom, mais. La commission. Nous avons recordé donc de l'équipe d'Amdès par équipe et la bande de l'équipe des États-Unis d'Amérique. L'équipe de France a réalisé un petit peu plus de 4 minutes et 9 secondes.